Maintenant, lui-même a levé à 6h pour le coucher un soir à 5h11 pour le lever demain matin à 6h. Cela nous mettait en boucle dans le bulletin météo nous pour jeudi. Jeudi, on a promis de créer Grégory tout son plein auditoire Radio Caraïbes pour ce thème passé une très belle journée positive. Nous casser rendez-vous pour demain pour l'autre information qu'elle vient avec météo. Caraïbes Information sur 94.5 FM et sur www.caraïbesfm.com. Merci beaucoup, Madame Saint-Georges. Un lien bas pouvoir, bon Dieu, la vie, on n'a pas rencontré demain matin, dans même le Sahara, pour troisième édition. Chabouba devant toute Fren Action, Orlando, Holguin Fetus, Guifo Lérisson, qui fait nous connaître, Radio Apoulé, Clé, Coup de Locoukoye, dans Orlando, si là, on a New York, dans Spring Valley, et ça fait un pile plaisir, dans Boston, Massachusetts. Nous disons bienvenue, dans Développement Journal. Processus comptage procès-verbal a commencé dans le centre tabulation et vérification matin 21 novembre pour l'élection présidentielle. Là, pour centre tabulation, vous avez recevoir 28 938 procès-verbal en tout. Reportage, Grégory Jean-Philippe. Après déroulement élection, toute attention est fixée sous centre tabulation vote, qui déjà prend toute disposition pour tabuler vote électeur cap sorti dans tout département dans le pays. Sous 28 938 procès verbal, centre tabulation vote a dû recevoir après processus déroulement vote 20 novembre, 11 993 pour président, ak pour tiers sénat tout, 2376 pour député, ak 55 pour poste magistrat côté élection, pas de guette en fait, 25 octobre 2015. Directeur CTVA, Chirilis Robinson, annoncé pour période tabulation, il y a trois groupes personnels qui travaillent la journée ou la nuit. Ça qui t'avait dit, pendant période ça, acteurs qui impliqués dans le processus là, capable toujours passer une garder, qui j'en travaille après poursuivre, dans souci transparence, KIPA toujours pour DA. Cette tabulation, elle est ouverte 24 heures sur 24, pendant toute période tabulation, parti politique, la radio observateur, il est capable à n'importe quel moment. Seul contrainte qui gagne, c'est qu'un parti politique supposé gagner maximum de représentants à tout moment dans le niveau central, y compris pour observateurs internationaux. Déjà, souci de transparence, KIPA toujours pour. C'est ça, c'est TVA relé mise à jour. C'est une opération qui marque système non paré pour recevoir tout procès verbal. Pour publication résultat élection, numéro 1 sans tabulation vote, apprendre tout le monde. CTVA pas là pour bail résultat élection. Que cette tabulation n'est pas bail résultat. En termes de clair, on a présumé cette tabulation, ils sont gros calculatrices, seul ça le fait, qui comptabilise tout vote valide, chaque candidat recevoir un bureau de vote de tout pays, hein, et pour sénateurs au niveau département, et lui ordonner de manière décroissante. Ça qui fait tout cela en rien, et ainsi de suite. Donc, et c'est le rapport de classement, ça a donné le résultat préliminaire. Maintenant, mais ces conseils-là, sous base rapport que nous avons bali, qui est prérogative, résultat. Et pour résultat, ça a dit, yo l'estime, faut que yo accepte de aussi un par deux tiers de conseil. Direction exécutive conseil électoral provisoire, supposé publier résultat présidentiel là, dans 8 jours, Jean-président conseil là, Léopold Berlanger, annoncé ça la nuit 20 novembre. Là. Grégory Jean-Philippe, Caraïbes FM. Merci un peu, Grégory. Jean-Philippe Fokker nous dit, conseil électoral provisoire, là. En tout cas, lui a metté sous au site, là, lien, côté que, wap capable à garder. Publication, photographie, donc photo, copie, procès verbal, photo que vous faites avec téléphone, sous un site KIPA, à copie numérique, procès verbal, mais beaucoup disponible, mais vous mettez lien pendant que vous regardez sous site conseil électoral provisoire, hein, élection 20 novembre 2016, publication des photographies et copies numériques des PV, donc ben, procès verbal, c'est ça qui a été, je le dis là, mais pour quoi gagner procès verbal, en tout cas, sous les là, mais il y a déjà metté lien sous site conseil électoral provisoire. Là, pour tourner dans cette tabulation, côté parti la paix, déjà voyez représentant dans cette tabulation vote yo, pour vérifier processus numérisation à quel traitement procès verbal, la paix paré pour accepter résultats qui reflètent votre peuple, surtout. Et reconnaître le travail, comptage, et le commencer dans transparence, selon représentant la PA, Denis Pascal Nard, qui était dans le micro, Grégory Jean-Philippe.
comme je bien me salue population haïtienne qui est déplacée hier qu'à voter, qui s'est voté pour nous, qui s'est pas voté pour nous, nous disons merci. Mais comme on connaît dans la paix, c'est chaque grain de vote qui compte pour nous. Dès que le processus a fini depuis hier soir, nous-mêmes depuis hier soir, nous avons présenté la paix, nous-mêmes nous déjà là dans cette tabulation. On équipe pour ces verbes commencer à rentrer devant nous. Ils ont commencé à tabuler devant nous tout. Parce que notre principe, c'est chaque grain de vote compté. Mais l'on pas là, on est capable surtout de quitter mon compte pour. Et c'est mon cap compté au bail pouvoir. Nous là pour que tout vote soit compté, pour que le résultat qui gagne dans le vote, c'est reflété. Et nous-mêmes nous prêts pour nous accepter le résultat qui sorti dans l'union depuis que tout vote est compté. Et ça qu'on appelle l'appel là, nous pas besoin. Pour nous faire notre parti politique, nous-mêmes nous puissions prendre stabilité. Stabilité, c'est contrôler avant que Jean-Bagayo est là, battre que tout bagaille passe devant, avant nous-mêmes pour nous dire qui ça a fait. Mais quand même, nous préparer pour tout bagaille, nous pas qu'à dire que c'est pas nous qui avons résultat à l'élection. Si c'est pour nous qui avons résultat à l'élection, nous avons dit que nous avons joué équipe pour nous, c'est pas ça. Nous avons tant d'institutions électorales là qui placent pour bailler résultat à l'élection. Elle dit dans 8 jours la bailler, nous-mêmes nous place chaque jour pour que tout bagaille, chaque vote compte devant nous pour nous donner un résultat. Et forme du bien son travail, nous sommes capables de connaître, tout le monde est capable de rentrer, vérifier, contrôler tout à fond. Bah, qui pas fait longtemps parce que longtemps, il se passe pas de 40 pour contrôler sa gain. Quand il y a un rentre de tous côtés, il arrive devant nous, comment c'est arrivé devant nous. Et seul ça me garde. Grégory Jean-Philippe Gain doit gagner là. Moi-même, Pascal Nadeau, gagne là. Et puis Jean-Pierre gagne là. C'est que nous sommes en élection qui vient passer, population votée en pile. On attend qu'on s'élection provisoire pour bailler résultat. Si c'est pour feedback de candidats par nous, même gens ont l'autre candidat qui ont l'autre côté, nous-mêmes nous gagnons pile côté tout et nous faisons admirer en pile côté tout. Même si c'est une question principale à nous pour nous tendre conseil électoral provisoire pour bailler résultat élection. Classe politique là, sous beau pas réagir sous déroulement élection dimanche 20 novembre, yo. En attendant résultat partiel, yo. En pile, la politicien a dit après tes vigilances sur ça qui a passé dans cette tabulation. Reportage offre à des sources. Voilà, on a pas retourné tout à l'heure avec enfin des sources concernant reportage Sila. Bon, on rejoint Johnny et Ferdinand de préférence après on a retourné à Kofa, citoyen à capitale qui estimait élection 20 novembre bien déroulée. Il reconnaît qu'il y a eu un problème technique dans le commencement journée. Hein. Pourquoi il a y a plein de publications résultats partiels yo Johnny Ferdinand. Pays d'Haïti tourne page 20 novembre là dans processus électoral sans fin ça. Après journée dimanche là, satisfaction yo pas manqué. Sorti dans KIP, passé dans gouvernement, la police tombé dans communauté internationale là, jou crivé dans mitan population. M'attendé gen police ek mouri, m'attendé gen moun yo tiré, m'attendé aucun violence qui fait pour moi-même c'est une bonne élection. Pour moi-même tout bas était bien passé. Première fois que moi yon élection passé si bien parce que moi m'ta voter et me voter si facile. Plusieurs citoyens nous posaient question, pas mettre de l'eau dans le bouche pour expliquer l'élection 20 novembre mieux était déroulé assez bien. Toutefois, nous reconnaissons qu'il y a quelques irrégularités. Si tout dans le commencement, je n'ai vote là. Électeurs qui pas de carré dans le sous liste électorale, il y a quelques centres de vote. Bureau vote qui l'ouvrit en retard dans quelques zones dans le pays, c'est quelques parmi problèmes techniques qui aussi allé dans 4 journées si là. Et si problème qui t'a gagné, c'est moun yo qui a voté, soit disant que yo t'as voté dans le bureau 5, et c'est dans 4 notes. Faire des recherches parce que c'est celle-ci problème ça qui était cabaye et inquiétude, mais vraiment élection va se vraiment bien. Pourquoi elle est là, tout le monde c'est un seul refrain entendre publication résultat partiel lieu citoyen ça yo mandé pour reste population arrêter tête frette et puis tant verdict conseil électoral provisoire c'est le monde ça yo qui plaidait en faveur respect green vote chaque grand citoyen lancé un pinga by candidat 0 à 1% yo qui t'a déjà paré pour venir faire rechigna ou sinon nous oreilles moun dans radio et télévision qui bien son travail là li gade li constater li vive ça fait là li wè moun li wè peuple qui est si choisi m pa kwè qu'il va le bay peuple ça qui lui même livré.
C'est ça, peuple en voté, hein, c'est lui qui le voit le bail. Partisans et sympathisants, le candidat qui a estimé que pour perdre l'élection à plat de couture, ça regrette, c'est regrettant. Pas mais quand même, il faut apprendre à accepter des faits. Est-ce qu'on va s'en là? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une violence, c'est le pays qui subit les conséquences. En tout cas, il y a l'autre épisode bout dans le feuilleton électoral. Il y a un feuilleton qui dirait environ 2 ans. En plus, le monde prend ses chaises barrières pour garder ça qui prend le gain là dans le prochain épisode. Yo. D'après eux, faire élection, c'est yon, bail résultat, c'est yon lot, si tous les ap considéré histoire pays ça, nous a fait élection. International, kap bay dicté, pouvoir kap fait tractation, candidat perdant kap fait recherche et la trier. Johnny Ferdinand, Caraïbe FM. Merci Johnny Ferdinand. Nous apprenons le bureau communication primature dans communiqué pour la presse, informer public là en général, la presse là en particulier. Après session spéciale, Conseil supérieur police nationale CSPN, t'es gagné avec Premier ministre Edex Jean-Charles en présence du président de la République, Justin Brivère, dans la matinée lundi 21 novembre 2016 dans le Palais national. Il a demandé avec la police nationale pays d'Haïti, premièrement, rester vigilant, veiller en haut, veiller en bas, pour protéger l'acquis démocratique, journée 20 novembre. Là. Deuxièmement, pour continuer à occuper différentes antennes dans la capitale, là, avec le respect, il pour plein de bouge. Troisièmement, mener et conduire, conclure rapidement une enquête sous cause incendie, qui passait dans la soirée vote, là, dans le marché route frère, là. Poursuivre pour Pabio dans la mesure où enquête, il a révélé que c'est un acte criminel malveillant, sans foi ni loi. Et quatrièmement, poursuivre tout ça yo à qui yo même pas jamais suspendre eh ben honorer violence fait violence dans lancer violence dans radio Jean Ouvlé à travers en série de fausses alertes après journée élection 20 novembre 2016 là. Cinquièmement, pour enquêter sous cause réelle qui était occasionnée perturbation réseau distribution EDH là dans zone métropolitaine là dans département centre ak nan ville Gonaïve. Et sixième et dernièrement, poursuivre tout si la yo à qui yo même t'a frappé en bas article 197.1 210B décret électoral là sous manifestation avec l'autre activité qui gagne main pour qui semble que ça qui capable troubler l'ordre public. C'est Primature là qui sorti avec communiqué ça en espérant que y va mettre en application parce qu'un pile flèche a pas lancé. En pile les gros paroles, les amis, nous venons au moment, donc, qu'on a tel tout pour le don, tout, parce que. Commissaire gouvernement, tout, on va commencer à tendre quelques radios. Radio, parce qu'on pas qu'arrêter sur radio, soi-disant son animateur, et puis pour demander monde qui ça n'a pas fait, moun n'a pas mais ça ne peut pas faire, ne peut pas craser, ne peut pas briser, ne peut pas mettre du feu, et puis, ou d'accord, ou pas dans rien même, ou applaudir lui. Ah non, nous, même là, même, mais c'est bon Dieu qui a bourré regardez nous on même animateur ça bailiste et journaliste pour commencer à attaquer mes amis donc c'est des connatels et pourtant c'est démocrate. Ah ouais, c'est des connatels vrai mes amis, c'est yok démocrate. Nous vivons dans une situation bah elle a qui j'en démonio et depuis au bon anti-bouteille bakara nan pocho et bon vetafia nous connaissons ça moun sa au café nous ouais ça au fait déjà. Classe politique la réagi condolence au déroulement élection dimanche 20 novembre là en attendant résultat partiel yo en pile nan politicien ou dit après tes vigilance sur ça qui a passé dans centre tabulation yo reportage au fa des sources. 24 heures après déroulement élection pour poste président et sénateur, divers politiciens saluent les forts responsables pour permettre l'élection de bien passée malgré quelques incidents. Nous avons beaucoup de chapeau pour la police nationale, estimé qui fait un assez bon travail comme ça. Nous avons dit bravo pour CEPA qui règle les questions de mandataire, qui règle les questions et de monde qui a pu voter que ce procès verbal à droite à gauche sous côté qui est dans la mi-temps. Nous disons la journée s'est bien passée. Pour nous, on attend jusqu'à ce que nous avons dit que CEPA baille des résultats. Résultat qui accompagnait à une série de préoccupations par rapport à souvenirs qui gagnaient après l'élection 2015. D'après secrétaire général Fusion, Rosemont Pradel, a ancien candidat pour poste président, Éric Jean-Baptiste. On connaît qui ça compte passer dans le centre de tabulation.
comment que ils jouaient avec les résultats, ils ont changé, ils ont fait n'importe quoi sous influence internationale, sous influence pour en place. Donc nous pensons pour cette raison que nous disons que la journée électorale est une chose, mais la gestion d'après en est une autre. Donc à partir de ce moment, donc, il faut être très vigilant pour nous voir comment ça va le passer. Moi-même, j'ai souhaité, c'est tout. Tout va passer bien pour nous sortir d'une calamité de fraude dans l'élection. L'élection, elle fait une fête. C'est dans les 24 heures qui, bon, pas même dans les 24 heures, c'est dans la soirée même que vous baillez résultat. Entre temps, pour ces verbales, après l'entrée, il y a manipulé pour ces verbales, il faut que tout le monde rete. J'ai calé, vous comprenez qui s'est passé dans cette tabulation, hein, parce que délai que vous baillez pour proclamer résultat élection, yo, en pile bagaille que vous avez fait en dans délai ça. Éric Jean-Baptiste, qui souhaitait Haïti gagner un président légitime en 2017, lancer un message à tout peuple haïtien contre toute forme de violence après résultat élection. Haïti pas capable de prendre violence encore. La situation que le pays a eu là, nous devons la faire pour être capable de gagner un gouvernement légitime qui pourra répondre à gros défis qui attendent nous. Environnement malade, économie malade. Sans tabulation, a commencé à recevoir pour ces verbales plusieurs départements pour traitement avant publication des résultats préliminaires dimanche 27 novembre 2016. Là. Déjà, plusieurs partisans candidats commencent à manifester dans la capitale là, alors que KEPA pour publier pièce résultat. Orpha des sources, Caraïbes FM. Voilà, merci un peu. Enfin, des sources citoyens dans la capitale estimé l'élection, c'est une victoire pour la démocratie. Je souhaite un nouveau président monter sous pouvoir 7 février 2017, Jean-Georges Blaise. Ouais, pas ouais, 7 février, février 29 déjà, ouais, vive Karina, vive la démocratie, vive Haïti. Ces réactions, yon ensemble citoyens dans la société civile, là, qui pas joindre moi encore pour expliquer position, yo, 24 ans après déroulement opération vote 20 dimanche 20 novembre, non, yon véritable réussite d'après citoyens, ça, yo, parmi yo, Julien Balzac Gabriel, qui sorti dans Karina, yon coquin chaîne victoire pour démocratie, en tout c'est quoi, compatriote, ça, yo, qui pas caché sentiment, yo. Son victoire, parce que ça, c'est peuple qui sorti. Son journée qui véritablement réussit pour KEPA parce que nous tapons tant de bagages très longtemps parce que faut gagner un gouvernement démocratiquement élu en pays. Déclaration qui pas trop département à position, y a l'autre groupe citoyen qui t'a rempli de voix civiques pendant le vote là. Électeur nous parle de la yo, salut travail la police KEPA, y a quoi qui fait un bon travail jusqu'à présent. Cependant, citoyen ça a dit après des temps, votre majorité a respecté. Félicitations et chapeau bas pour KEPA et gouvernement. La police, côté excessif, yo pas méchant, yo pas menacé, moun, yo pas fait rien. Toute population, tout est respecté, bon, dans l'État, et qui fait élection, capable de dire qu'il bien passé. Bon, après, ça, on a souhaité que, pour résultat, bah, normalement, et moun qui, en faveur, qui mérite là, pour bah, les champs liés, surtout pour candidat parmi nous, ça me fait déplacement pour mal voter juste Bel Air. Pour nous sortir Mariani, mal voter Bel Air, c'est pas un mess à faire. D'habitude, élection qu'on fait dans la rue en Jean, l'élève dans la tabulation, une pour l'autre élection fait. Malgré tout, citoyens, ça reconnaître électeur ou pas de faire déplacement full jour vote là qui ça fait ça Julien Balzac Gabriel parmi compatriotes ça t'es tenté répondre comme ça pour toujours aller voter c'est pas faute peuple là t'es courageux ouais non si cyclone là il va régler rien pour lui avant rien pour lui mais faut le décourager minorité nous t'attendre ça parce que moral moun yo pas en paix santé moun yo pas en paix pour comprendre moun yo pas un côté abdomen bon par exemple un moun qui dans grandeur sous elle t'a levé là le voter ou mettre connait que il y a une pile volonté de changement parce que m'a qui raison qui gens monde dans le sud moun visiter le sud après cyclone nous pour communiquer avec moun ki nan grandans sou pa wè ki rezon pou al fè que yon moun ki nan grandans ta levé al vote. En attendant résultat élection yo ki doit publier nan 8 jours encore li rete pou konnen ki lès nan parmi 27 candidats pour fauteuil présidentiel là qui a finalement installé sous chaise palais national là qui lès k'ap continuer rete nan la ria. En tout cas, zombie yo qui semblait lagué moun nan kouri froid ça encore rete confiant après journée vote là côté déjà cassé rendez-vous pour 7 février. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci Jean-Georges Blaise. PHTK, parti haïtien tête calée, déjà ouais Jovenel Moïse dans palais national après journée vote dimanche 20 novembre. Porte-parole PHTK Rudi Rivo mandé partisans ont été mobilisés jusqu'à ce que KEPA publie résultat élection. Reportage Mac Gaston Félix.
Un jour après déroulement élection 20 novembre dans pays a parti haïtien tête calée déjà quoi il a remporté la victoire. Le nom du président élu d'Haïti aujourd'hui c'est Jovenel Moïse. Porte-parole Estricti a confirmé yo seulement obtenu installation candidat Jovenel Moïse dans palais national. Et c'est pas un mystère, c'est simplement confirmation de ce qui a été fait il y a un an le 25 octobre 2015. Rudy Rivo m'a des partisans PHTK ont été mobilisés. Il m'a des conseils électoraux là en l'autre bord pour prendre responsabilité. Tout simplement dit, vous êtes vigilants parce que c'est même comme les véhicules. C'est appuyé un résultat historique pour PIA d'après porte-parole PHTK Rudy Rivo qui annonçait il déjà impatient. Ma garçon Philistin, Caraïbe FM. Merci un peu, ma garçon. Félicitations, journée électorale réussie à 75% selon constat New England Women Rights Organization NERO fait pour journée 20 novembre. Malgré tout, responsable organisation s'il a fait qu'on est, ils ont enregistré diverses irrégularités dans le déroulement vote. Ils ont ensemble incident qui n'a pas eu gros conséquences sur le processus électoral. Garline Morestin. Plus passé 24 heures après déroulement élection 20 novembre, plusieurs organisations nationales ou internationales qui tapent joué rôle observateur, pas de perte de temps pour présenter bilan journée 1. New England Human Rights Organization lui-même baille un rapport positif sous journée ça, même s'il y a une certaine prudence par rapport à l'élection 25 octobre 2015 passé. Secrétaire général Estrictisila Antonal Mortimer relevait quelques points qui différenciaient élection 20 novembre blanc à Claude qui passait yo. Journée électorale le 20 novembre réussi à 75%. Matériel électoral yo, c'est plus bon qualité qu'élection avant yo. Et nous prenons exemple isoloir yo. C'est une très bonne répartition des matériels électoraux yo qui arrivait dans la majorité côté yo. Attends, côté certains problèmes infrastructurels tant qu'on a nord-est et puis dans la grandance. Mais personnel électoral là, c'est très accessible. Même là pour certains centres de vote, yo pas suffisant. Et PNH, t'es déployé tout et était présent à temps et était gagné réaction à temps les gon anomalies. Parallèlement, Nero identifiait certaines irrégularités qui enregistrées dans journée vote ça. Yon ensemble incident responsable estimé qui pas gain gros conséquences sur processus électoral là. Il y a une série de centres de vote qui étaient mal placés. Donc lycée qui dans ministère de l'agriculture là, il était 9h du matin, mon bébé était obligé à allumer lampe, allumer flash pour être capable de voir. Yon l'autre centre de vote qui bosse ancien cimetière Petionville là, c'est même et puis KIP a été fait des changements dans la dernière minute. Et il y a un exemple, lycée national Kafoufei, qui ont méga centre de vote. Ils ont été distribué le centre de vote ça, dans trois autres centres à la dernière moment. Et tout le monde dans la zone Kafoufei était débarqué dans le lycée national là. Et c'est là où ils ont été rendu compte qu'il y a un centre de vote là. Et ça arrivait plusieurs côtés dans le pays. Là. Dans l'idée pour permettre processus électoral là, aboutir dans la transparence, et Estricti c'est là, fait quelques recommandations by autorité concernée. Nous demandons tout le monde garder calme yo, pour autant KIP comme seule autorité compétente en matière électorale, bail pronostic en termes de pourcentage et qui moune qui les vend. Nous demandons à KIPA pour ne pas prendre le temps pour faire venir tout procès verbal dans le centre de récupération, qui a transféré dans le centre de tabulation pour tout vote qui a analysé selon le principe qui est établi. Responsable de Royo souhaite un nouveau gouvernement qui prend le venir, prend toute disposition pour mettre en paix le conseil électoral permanent. Yon façon pour éviter ensemble dérive qui habitue enregistré dans l'élection yo. Guerline Morestin, Caraïbe FM. Merci un peu, Guerline Morestin, observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie estimée dossier bulletin qui boulait dans ville au Capio pas important. C'est procès verbal yo qui gagne plus importance pour l'élection 20 novembre 2016 là, selon yon dirigeant observatoire Abdonel Doudou qui était dans le micro Paul Berman François. Nous ne pouvons gagner aucune information que l'observateur nous rapporte nous sous fait ça. Toutefois, nous avons souligné que bulletin de vote yo, yo important en pile, c'est vrai. Mais une fois que le procès verbal est fini rédigé à la fin de processus là, le jour du vote, donc hier soir, et que devant mandat des partis politiques, le procès verbal est rédigé, pas gagné trois influences bulletin de vote là capable de gagner encore sur le résultat élection. Et c'est peut-être un incident qui passait quelque part par la négligence de peut-être monde qui vient sous gardio matériel sensible ça y a quand même qui doit conserver si jamais t'as des raisons qui fait que le tribunal électoral t'a déterminé que nous va vérifier jusqu'au bulletin de vote.
mais c'est le cas pour nous dire que ça n'a pas un rapport direct avec l'observation que nous-mêmes, au niveau de l'OSI, que nous faisons. C'est un incident que nous tendons, que nous pourrons peut-être questionner observateurs sur le terrain, puis on dit nous de quoi il en retourne. Et puis, il y a gagné un jour dans le Parlement, comment ça y est, un jour après l'élection, au Parlement haïtien, image, une institution qui en congé, employé avec parlementaire, pas mettre pied, seul député qui était présent, c'était, seul sénateur qui était présent, c'était c'est Francisco de la Cruz, qui félicitait toute instance dans l'État, qui était mobilisé pour réussir le jour 20 novembre, non, Winchell Adrien. Journée électorale 20 novembre, déjà fini. Mais un jour après exercice ça, Sénat République là avec chambre députée a totalement vide, sans aucune activité législative. Dans le local institution, t'es gain seulement agent sécurité yo, parlementaire était totalement absent, excepté député circonscription Thomas Sikla, Francisco de la Cruz, qui t'a fait une petite visite. La coupe parlement habituellement qui qu'on remplit avec monde totalement vide, ça pas empêché drapeau à monter normalement pour affirmer existence institution. Seul parlementaire qui était fréquenté espace là pendant journée 1, qui profitait fixe tête li gros satisfaction pour réussir de journée électorale 20 novembre blanc. Député Francisque de la Cosse. Nous connaît ça qui plané sous tête pays là. Côté que depuis nous connaît depuis 14 février, ce passé là, t'es un gouvernement qui t'est monté, puis t'es fini 14 juin, puis t'es un nouveau gouvernement qui t'est monté qui fait sortir dans l'élection. Mais malheureusement, ça n'a pas arrivé fait, manque de volonté de la part des gens qui nous ont fait mandat. Mais je dis à peuple haïtien de montrer qu'il y a une volonté pour être capable de permettre qu'il y ait une élection organisée pour nous sortir dans les affaires de transition. Ça. Moi, je voulais remercier le peuple plateau central, particulièrement Moun Thomasik, qui était sorti en masse, qui a voté, qui a fait choix, qui a senti qu'il y a un bon pour le pays. En pile parlementaire qui candidat Axilayo qui a supporté l'autre candidat, ta raison évident qui expliquait absence parlementaire pendant journée 1. En pile nan yo te gen obligation à la circonscription yo, soit pour voter en faveur candidat yo, soit pour assurer yo élection yo a bien passé dans zone respective yo. Winchell Adrien, Caraïbe FM. Merci en pile Winchell Adrien. Bon, quel est le sénateur Francisco de la Cruz, mais ils sont débuté. Eh ben ouais, non député ça. Est-ce que c'est même nom Francisco de la Cruz? Bon regardez, auditeur qui est en fait remarque là. Il y a un député qui est Francisco de la Cruz. C'est pas OK, c'est pas sénateur, mais c'est Francisque, pardon. C'est Francisque de la Cruz au lieu de Francisco de la Cruz. C'est un député. Malgré pas t'avoir aucun communiqué officiel, l'école privée pas l'ouvrir, en tout cas en majorité là-dedans yo pas l'ouvrir ailleurs dans la capitale là, ça qui capable d'avoir des conséquences sur calendrier scolaire là pour élèves yo qui déjà perdu un pile jour classe Ganito François. Et Pierre-Renel René de préférence. Porte l'école qui t'est servi bureau vote dans la veille, t'es été fermé pour élèves, yo, qui pas mettait pied dans classe journée lundi, ya, alors que l'école, ça, yo, porte, yo, t'es l'ouvri pour faire nettoyage. Yo, c'est en majorité l'école publique, qui chaque l'heure, gagne élection, mettait à disposition, KIP, hein, pour moun vin rempli de voix civiques, yo, qui s'est voté. 24 temps après journée élection, hein, lis, électeur, procès verbal, enseil, bureau vote, yo, t'es toujours affiché, soumis bâtiment, ça, yo, moun t'es continué fréquenté pour vinouer avec Benawe, yo, qui ça qui dit dans procès verbal qui affiché, yo. Puis, fort, nan, yo, t'es chiré sous la cour, l'école, yo, mélangé avec fatra, toute qualité, ça qui te rend espace, ça, yo, impraticable pour te reprendre activité, yo, par rapport à local, l'autre, l'école qui pas utilisé pour journée vote, là, là, cou, yo, t'es reprendre timidement, avec un effectif réduit. Pas un communiqué ministère, j'en ça habitué fait pour te confirmer si oui ou non porte l'école lieu après le relouvrir, journée lundi, hein. En pile parent t'es choisi quitter Timounio la caille sous prétexte, journée après élection yo toujours gain risque yo. Yon journée en plus Timounio sous perdu sous quantité jour yo doué passer dans sa classe yo pour année. Haïti c'est pays dans région, Timounio passé moins jour l'école, calendrier scolaire 2016-2017 là t'es prévoit 186 jours classe. 9 jours congé, 930 aides-temps pour enseigner dans niveau fondamental, 1116 aides-temps dans niveau secondaire, alors que plusieurs centaines d'élèves dans la région sud-PIA quittaient classe depuis 3 octobre passé, sans qu'on ait qu'il a retourné, alors que l'année académique là à bout, 30 juin, Krabvinila.
Pierre Ronel René, Caraïbe FM. Merci pile Pierre Ronel René, il fait exactement 6h. On a pas le faire place à Kachilov Perrin pour jour, date pour date, mais bien avant, on a souhaité bon anniversaire à Ferrayol, à Gunel. C'est madame Ni Parola, Jean-Baptiste Ferrayol, qui pensait à Cli, et puis, gagné chez la Télisma qui a fêté. Et bien, on a dit bonne fête à tout staff Mister Divin, qui a fêté jeudi, et un groupe évangélique. Place à Kachilov Perrin pour jour, date pour date. Jou pou jou, dat pou dat, yon jou, yon jou, yon jou, yon jou, yon jou, yon jou, yon jou. 22 novembre 2016, bonjour tout le monde au brechet Caraïbe FM et c'est rubrique pour la jou pou jou, dat pou dat, qui rentre la caillou. Pour commenter avec suggestion, écris-nous sous jou pou jou, dat pou dat, à commercial, caraïbefm.com. 22 novembre 1497, que vous mettez sous la mer rouge là, depuis commencement crise usée au pays Cuba. Jou pou jou, dat pou dat. 22 novembre 1963, yo assassiné à Dallas aux États-Unis, président américain John Fitzgerald Kennedy. 22 novembre 1967, Nations Unies prend résolution pour évacuer territoire que Israël était occupé. 22 novembre 1967, qui a duré 22 ans. Bonjour, tant aujourd'hui. 22 novembre 1975, Juan Carlos proclamé tête liwa d'Espagne. 22 novembre 1987, libération yon milliers prisonniers dans le pays Nicaragua. 22 novembre 1989, dans le défilé indépendance pays Liban à Beyrouth, yon assassiné président René Mouavad. 22 novembre 1990, Margaret Thatcher démissionné dans le poste comme premier ministre Royaume-Uni. Bonjour, tant aujourd'hui. Pamela Kainou, 22 novembre 1750, 91, Mulat Kagblayo détruit Port-au-Prince dans un affrontement. 22 novembre 1800, après massacre officier Rigoyo dans le sud pays, tous ces ouvertures retournées dans le département Noa. 22 novembre 1891, inauguration marché Valier que nous connaissons nos marchés en bas, vite coûter l'État haïtien $130,000. 22 novembre 1908, bateau marine haïtienne Le Croyant a échoué en face Jérémy. 22 novembre 1960, il a établi loi martiale sur tout territoire au pays d'Haïti. 22 novembre 1968, le transféré reste ancien président du Marseille estimé au dans mausolée qui a été construit spécialement pour ça. 22 novembre 1987, il mettait du feu dans marché Salomon. Jour pour jour, date pour date. Une personnalité qui fête le 22 novembre, c'est William Friedman Bach, compositeur allemand qui fête en 1710, Alcibiade Pomeyrac, poète haïtien qui fête en 1844, Charles de Gaulle, militaire en politique français qui fête en 1890, général Leclerc, militaire français qui fête en 1902, Boris Becker, voleur allemand qui fête en 1976, Scarlett Johansson, actrice américaine qui fête en 1984. Bonjour, aujourd'hui. Une personnalité qui mourut le 22 novembre, c'est John Fitzgerald Kennedy, 35e président États-Unis qui mourut en 1963. Je dis à cette fête nationale pays Liban, capitale c'est Beyrouth, la géoservice est livre libanaise, langue c'est arabe. Je dis à ces jours prière à repentance en Allemagne, ces jours souveraineté nationale en Argentine, ces jours les psychologues au Venezuela, c'est fête Sainte-Cécile. Pour commenter avec suggestion, écris-nous sous jour pour jour, date pour date, à commercial, caraïbefm.com. Voilà, c'est la copie à rubrique pour matériel, recherche, rédaction, présentation, Chilov Perrin, réalisation, Jacques-Claude Dossé. Jour pour jour, date pour date, yo jou, 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 Moun Miagouane qui t'a plein, Joël Bonomet qui t'a eu. Joël tourne, regardez, il tourne sous New York One Terminal. Tout le monde bosse dans New York pour Jésus. Hey, hey, hey.
fait 27 morts, plusieurs dizaines blessés. D'après un bilan provisoire, président Abdelhach Afghani condamné à taxer à toute force lui, tandis que la communauté chinoise a pu nous dénoncer l'incapacité autorité pour protéger plein de rien. Attentat Sarapé, attentat groupe État islamique l'ont fait mois juillet passé, comme communauté chinoise l'ont en Kaboul. Côté 85 moun t'es perdu la vie yo. Actualité internationale. Dans le pays Syrie, Timoun Villalep yo victime en bas bombardement indiscriminé kap fèt kont civil yo. Yon série situation terrible ki bay de l'eau nanje. Hier journée an tête chargée nan quartier Al-Fargan, nan pati ouest Alep. Yon bombardement rebelle ki touye environ 8 timoun entre 6 à 10 l'année nan l'école yo Saria Asoun. Attaque la touye tout 2 gran moun et puis blessé 70 l'autre. Alep qui trouvait dans l'ouest pays Syrie, avant guerre c'était plus grand ville paysan, avec 2.5 millions d'habitants. Je l'ai aujourd'hui à l'étourner champ de bataille régime nan, qui kembe en bamel, kati ouest, ak rebelle qui encerclé nan kati esyo. C'est n'a pas tiré ça, qui plus passé 250 000 moun qui bloqué, depuis plus passé 4 mois. Gouvernement qui reprend bombardement yo, ak allié Rusli, depuis mardi, après 2 semaines pause, yo déjà tué 115 moun. Amiyo, 18 Timoun, après agence France Presse, yon not bo gen go combat kap de terrain, civil yo trouvé ou nan en situation dramatique, sans aide alimentaire, sans soins, à cause tout l'hôpital yo en baisse ou bien pas fonctionner du tout. Dimanche là, un pile moun mouri nan quartier Al-Sakou nan l'est Alep, côté yon baril explosif yo lagué touye yon famille. Kwalita utilisé bombe à chlore. Mais il est toujours démenti ça. Actualité internationale. Dans le pays Allemagne, Angela Merkel mettait bout dans toute suspense côté lui déclarer la candidate pour un quatrième mandat comme chancelier en octobre 2017. Une annonce qui toutefois pas déchaîné passion en Allemagne malgré majorité citoyen yo te voulait les représenter. Sociodémocrate SPD yo qui affaibli à cause alliance avec chancelier a essayé rapprocher candidat Payoua, mais il y a deux personnalités qui suspectent. Ministre économie Sigmar Gabriel semblait bien placé, mais un candidat président parlement européen Martin Schulz envisageait tout. Ces campagnes qui prennent le plus difficile depuis réunification allemande l'an d'après Angela Merkel, côté parti l'ont arrivé en troisième dans cadre élection régionale septembre passé. Pendant 11 années pouvoir, pas jamais aucune figure politique qui rivait rivaliser avec Angela Merkel dans le pays Allemagne. Pourquoi elle est là? CDU, formation langue, 33% intention vote, soit 9 points devant SPD. Actualité internationale. 9 qui fait qu'on est, c'est grâce à qui enquête 8 mois qui menait avant une série d'arrestations dans le week-end. Non. D'après ministre Lan, c'est enquête ça qui permet de mettre en bas code 7 individus entre 29 à 37 l'année, nationalité française, marocaine et puis afghane. Bernard Cazeneuve toutefois pas précisé si bah, qui était envisagé yo, mais nouvelle la vini seulement avant commencement marché Noël Strasbourg. Entre temps magistrat ville Roland Raeslan bah, garanti si t'es pas l'impact envisagé. Donc, événement Noël, you a organisé, j'en sais te prévoir. Actualité internationale. C'est là le métier en bout, la page internationale journal là. Pour aujourd'hui, le micro pour te présenter, moi-même, Ange-Mi Guerrier Torchon, réalisation Jacob Dorsey. Merci pour attention et fidélité au son antenne Caraïbe FM. Nous bon rendez-vous pour demain. Caraïbe, actualité internationale. Caraïbes Information sur 94.5 FM et sur www.caraïbesfm.com. Caraïbes FM, il fait exactement 6h avec 15 minutes, journal créole. Première occasion après à poursuivre tout à l'heure, après à retourner dans l'actualité. Et ben nous recevons un citoyen, ça, Bello, fils aimé, qui est même, c'est ça, Bello. Bolo, fils aimé, et qu'il est même son citoyen ici, mais qui vive Florida, donc qui hier qu'on t'a rencontré une radio, qui vient là avec deux chèques, l'une pour commune Ansagalais et l'autre là pour commune Ansdeno, hein. Et donc son chèque qui et par contre cacacam comment cacacam non ça est pas bicyclable monsieur le maître sourit hein des noix avec un sagalé des ancio oui l'autre un cabolo lui même l'a travaillé en ferme non c'est ça mon citoyen engagé et puis qui t'attendait Radio Caraïbe il t'attendait Raymond Ansdeno et puis il y a mille décourages là le côté patron hein les questions américains. Il dit pas trop, mais qui situation pays lié, donc comment le cas est-il? Et puis voilà que patron dit aucun problème,
Et puis il dit bon, m'a pédé côté dire bon mon l'autre côté encore. Et puis parmi dire tout écoute grâce pendant le gain 11 de nous dans tête, il tout gain en sagalé à tout. L'église il va patron et puis patron fait du chèque, il une pour 11 de nous, il une pour en sagalé. Bolo, bonjour. Oui, bonjour. Donc nous contents recevoir là ou des passages en Haïti et bien que on va prendre vol d'aller. Donc j'en saute dit nous là ou de Mike pendant t'es dans couloir là. Donc c'est pas nous attendre des nouvelles, on attend ça mon as de nous. Bon ça Jérémy a passé. Oui, moi et toujours attend des nouvelles chaque jour et puis toujours attend des Caraïbes tout gars ensemble avec tout et c'est à la ferme et puis toujours attend chaque trap qui a fait tout problème toujours attend et puis on est venu attend un démon qui était sorti dans Non, yo te sorti Jérémy. Dans la zone bon ici là oui tout près à Kayer et puis yo te dans yon collège et puis yo te pote donné pour OK pour Ansdeno et puis ça te fait un plaisir et ça te frappe me qu'on y allait nous fin travail côté nous là nous te gon sorte des 40 haïtiens après tout le monde final et vrai tout le monde à l'après tout pas côté blanche chance et bon moins chance et bon moins déchet $5,000 $5,000 pour chaque communion donc ça te fait plaisir. OK oui donc c'est bon dollar hein? dollar c'est bien bon dollar après lui bon moins on l'autre $2,000 liquide dit moi ça c'est pas il va être mon la caille moi. OK on tout fait des mallettes marchandises bah et puis tout le monde qui va gagner bagarre le tirer comme qui était voter pour eux OK tout le monde ça ou est ton Noël bonheur donc ou ta lance y aller non c'est mon lagonave. OK. Et à moi gagné yon nevem en petit ton frère moi il était maître à sa galère maître à la Gonave en sous Mickey et puis après yon te vin avant élection yon te vin et mette misé à terre et puis chasse pour le gata gen visa et puis il toujours a fonctionné à l'retour. Oui. OK, c'est bien. Eh bien mon cher, bon, ça ma fait partie jodi. Oui, ma partie jodi a passé moi gagne quelques données pour mal rempli pour famille, yo dit demain les formes passer pour me signer papier yo. OK. Et pour me retourner les deux. M'obligé pour aller quand même. OK. Donc n'a demandé avec magistrat yo qui a venu nous recevoir chacun fait un bon petit mémo quand même là où vient notre travail là. Et au moins, on est capable de monter pas pour non, ça m'a gagné pour magistrat, il a fait gagner récit chèque là. OK. Il a signé récit chèque là et il a metté sous sous lui. OK. Après, il a envoyé au caché changer chèque là. Il y a une adresse blanc avec noni dans chèque là. OK. Il a metté adresse là dans do enveloppe là. Et puis il y a signé récit là et puis il y a mis sous lui il va besoin écrire rien encore et puis poster lui dans côté chèque là sous lui ça fait blanc plaisir l'autre problème représentant encore là ça va le côté sans inquiétude il a toujours aidé même ici on pas voyer yon même ou bali a récit là pour connaître c'est mettre lui qui change le vrai il pas bailler Un patron est toujours branché à Haïti. Non, patron va branché à Haïti comme si moi-même, moi, c'est yon clou leader, vous voulez dire ça, contracteur. Moi, on sort des. Gen de l'album 25, album 35, gen de l'album. T'as quoi, ni sal de bon 41 moun pour travail. Ok. Sinon, jardin au travail. Kei pomme. OK. Et puis il travaille dans ti pied pomme petit yo faire un gros. OK. Et c'est comme ça. Et puis dans quelle zone nous dans Floride? Moi habite Floride. Mais côté travail ça y a c'est New York. New York. OK. Donc si côté ça dit aller New York à travailler. Et que le Walcott ou au moins de 1500 km. À Floride, OK. Moi mal dans. Et chaque jour je suis Floride et puis voir New York. Non non. OK, qui on fait ça? Gain quand là? Il y a une belle caille et puis on prépare tout le bagage pour mon yo. OK. OK, on a un réchauffe frigidaire, un wash machine, tout le bagage net, etc. Non, bon, le, pour notre famille, nous, on a vécu Floride. Non, il y a des gens qui allaient, les gens, qui allaient travailler dans
pied pépinière yo et puis yo fait greffe tout bagay. Okay. Après j'ai fini rêvé juillet août en septembre pour m'en commencer kay nous kay pour m'en la 7 semaines. En 7 semaines pour m'en parler. Il part le 1er septembre et 1er novembre. OK. Bon bagay ta ko côté. Ma travail là, yo te kon kay sou échelle, kon y a va kay sou échelle encore pour sou machine. Yo met trois moun chaque bon. Okay. Et machine nan ami tan. L'homme dou ça c'est réel, machine nan faut kay vite. Donc machine nan remplacer combien moun là? Machine nan remplacer gen 60 moun ka kay. Le pou ko gen machine nan c'était en 105-110 alors on machine on y a probablement l'éliminer 50 monde l'éliminer 50 monde donc technologie ça a commencé à baisser quantité de travail c'est ça à réduire c'est ça l'année passée yon monte qu'on fait 7-8 faut compter pour journée. OK. Dans machine là on a fait 12 on a fait 14 mais grand petit problème